Salut à tous, amis, modélistes et amateurs de petits trains en tout genre. V'là un nouveau dans le coin et pas des moindres. Pour ceux qui veulent se ruiner, c'est ici que ça se passe. Là, une avalanche de petits trains. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous. Une boutique que je vous recommande vivement, avec un vendeur au top. Tout nouveau dans le coin, ça s'installe gentiment. Alors, Claudio, un petit mot sur ta boutique. Eh bien, ce qui m'a permis en fait d'ouvrir la boutique, c'était un rêve depuis de nombreuses années. J'ai commencé par le site internet, 3 ans, le site tourne plutôt bien, je me suis fait une belle petite clientèle, je commence à être un peu connu sur le web et Facebook. Super. Facebook est un outil très pratique. Ouais, de plus en plus. Ouais. Et en ayant commencé avec le site, ça m'a permis de pouvoir investir dans la boutique. Parce que la boutique, c'était quand même un garage qu'on a transformé en boutique. Il y a de l'investissement. Et oui, c'est du boulot. Et j'espère que. Là, je suis ouvert depuis le 2 novembre. C'est tout jeune, tout. Pas de publicité pour l'instant à part Facebook, beaucoup de demandes d'adresses, ça se situe où, c'est à 120 km, c'est un peu loin, ah ben j'habite à côté donc c'est bien, je viendrai vous voir. Et bon, la plupart des magasins ferment, moi j'ai décidé d'en ouvrir un. J'ai appris récemment que le petit train bleu avait fermé le samedi à Lyon, c'est bien dommage parce que institutions qui disparaissent. Bon, maintenant j'ai bon espoir de pouvoir me développer. Après, je travaille essentiellement avec le groupe Ambi, donc Lima, Jouef, Lima aussi, bientôt Arnold parce que je vais commencer à faire du N. Intéressant. Oui, on me demande beaucoup, donc il va falloir s'y mettre. Beaucoup d'occasions, toujours des arrivages, tous les mois il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je travaille également avec donc Alès Model, hein, qu'on ne présente plus, Alès Model, Pico, qui fait de magnifiques modèles aussi. Du beau monde. Et bientôt Rocco. Je travaille aussi avec Pirata Model, qui est une petite firme italienne qui fait de la redécoration de modèles étrangers, en série limitée, j'ai pas mal de petites choses sympas. Mistral, bien sûr. Et quoi d'autre? J'en oublie. J'essaie de me spécialiser aussi dans les pièces détachées, surtout chez Ambi. Tout ce qui est pièces détachées pour au niveau des nouvelles locomotives qui sortent. Hein. Et ça marche plutôt bien parce que je suis en train d'épuiser mon stock de pièces détachées de 66 400 que j'avais commandé et qui était très conséquent et ça baisse. Hein. Le niveau baisse. Et donc j'attends beaucoup de pièces détachées là, pour les 36 000. Pour le nouveau TGV, la Rome 16 qui sortira bientôt, décembre peut-être normalement, et des 72 000 loisirs, j'ai pris un peu de pièces détachées également. Il faut avoir. Après chez Pico, pour les pièces détachées, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont pratiquement tout en stock sur les derniers modèles et c'est beaucoup plus facile à avoir. Mais chez Ambi, c'est très compliqué. Du beau matériel, on vous attend nombreux. Avec grand plaisir, la porte est ouverte, il y a toujours un petit café de bienvenue ou un verre d'eau pour ceux qui vont faire café. Un vendeur qui sait accueillir ses clients. Et sur cette voie,
on les décompacte, tout va bien, avec le sourire. Ah, c'est dur.